vos vacances. Nous sommes le 13 juillet. Est-ce que vous avez commencé? Encore un peu plus de 2 mois, je pense. Et moi, mes vacances seront de septembre à, enfin, de août à octobre. Kiss your cat and record their reaction. Ah oui, c'est les gens, c'est les fous qui sont motivés, on aime bien. Tu vois l'Espagne ou l'Angleterre demain? L'Espagne. L'Espagne. His face. Parce que j'aime bien l'Espagne. Et parce que je pense que ça mérite du tournoi. Et aussi parce que j'ai pas envie de le faire gagner. Voilà, comme ça au moins je suis coupé. Merci, Jerry Maillard, ramène ta casse d'Algérie à Rennes, sinon ça va barrer. On a déjà 2 villes à ouvrir là, une qui ouvre ce mois-ci, une le mois prochain, puis ensuite à partir de septembre, voilà, des choses nouvelles. Fast as fluff boy, still fast as fluff boy. Mais déjà, il y a 2 villes supplémentaires qui vont venir, et une en région parisienne, et aussi un petit peu que vous m'avez. Et c'est un plaisir, on va se régaler. Non, non, c'est pour ça, bien sûr. Mais t'as quand même fait, vu qu'on fonctionne avec des franchisés, c'est si, franchisé intéressant. Hein? Évidemment, on pourra venir avoir ça. Après, il faut trouver un bon franchisé, quelqu'un qui a la possibilité de bien rester sur vraiment les dingueries. Et le tout dans le
C'est Toulouse. Et je sais pas comment expliquer, mais il me donnait l'exemple du fait que par exemple, à Toulouse, ils ont réussi de France ces deux dernières années. Là-bas, ça a tenu. Ouais! Aïe, on va! Parce que le marché local, parce que certains des autres restos, parce que machin, parce que truc. Je... Mais apparemment, ouais, Toulouse, c'est pas si simple que ça. Si tout le monde puisse paraître. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas venir à tous les uns. Oh, c'est pas fastoche. Il y a des recettes avec de la feta. À Bruxelles, c'est marché avec la bonne commune marocaine. Par exemple, Nice Pitié, tu vas faire fortune. Ouais, ouais, Nice avec les vieillards sous pique soleil, sous pique. Noni! Parce que des fois, les gens. Et donc, vu qu'ils se prennent un peu de merde, bah, ils aimaient pas. C'est un vrai resto, une dark kitchen, ça. Après, il y en aura peut-être à l'avenir des possibilités d'avoir que de la livraison via un autre resto qui ne serait pas des cas d'amour. No, God! No, God, please, no! Comme à Paris, comme à Bordeaux. Tu vois venir le mec qui vient avec... Dire que... Je sais pas, c'est juste...
Noni. C'est à la carte. Mmh. Deux sandwichs, enfin deux restaurants supplémentaires. Doctor has come to a conclusion. Yes, that's hemorrhoid. Thank you.
2025-2026, là, dans ces eaux-là. J'ai vu qu'il voulait au final la jouer en été, un truc, un machin. On verra. Avance dans tes projets, ouais, frère. Aller habiter dans la légendaire ville de Tanger, et ben, tu perds qu'on va parler de Ben Yedder. Alors, c'est même pas que je veux pas parler de Ben Yedder, on a lu tout l'article hier. Alors, qu'il venait de sortir. J'aime bien Tanger. C'est un peu ville espagnole, tu vois. C'est un peu dans l'esprit du centre de tout le monde. La localisation. T'as un côté, donc un versant atlantique. Donc, l'océan. Tu veux aller de l'autre côté, t'as la mer. T'as toute la région après du nord. La ville en elle-même est quand même assez grande. Aucun souci.
Rabat, le problème étant quitte voir sur cette photo. Thank you.
Thank you.
Thank you.